Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour notre séance du mardi avec les alphas. J'ai dans la main tous les alphas. Je vais vous les montrer un par un. Il va falloir me dire le bruit que fait chaque alpha et donc chaque lettre. Ok? Allez, c'est parti. Je mélange un petit peu. Nous ne serons pas dans le même ordre qu'hier. Et on commence. Quel bruit fait cet alpha? C'est Monsieur Y, il fait Madame E, elle fait Monsieur O, il fait O. La hutte ne fait pas de bruit. Elle est muette. La toupie, elle tourne, elle fait. La dame. De. Mademoiselle U sur son cheval. U. Le jet d'eau. Madame I. I. Le perroquet postillonne. Le robinet est bouché, ça l'énerve. Toujours de bonne humeur, monsieur A. Ha 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 ha. Le wagon. Le nez. N, 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 n. La botte bondit. B, 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 b. Le kangourou, champion de karaté. Le gulu est un peu bêta. G-g-g-g-g-g-g-g-g. Le xiu. La fusée. La quille. Le chat chuchote. Le zébulu. Zzzz. Le monstre. Le
le cornichon qui croque et qui craque. La limace avec la langue pendante. L, 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 l. Le vent. Le serpent. Et c'est terminé pour les alphas pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien révisé, que vous en avez trouvé beaucoup. C'est important car nous allons avoir besoin de nos amis les alphas pour écrire le mot du jour. Alors aujourd'hui, nous allons écrire, je vous laisse prendre une feuille, un crayon, et il va falloir sur cette feuille écrire le mot « île ». Une île, vous savez, un bout de terre au milieu de la mer sur lequel on peut se poser. Ça s'appelle une île. Écoute bien le mot « île » et essaye d'écrire ce mot. Tu peux mettre pause sur la vidéo, prendre le temps d'écrire le mot, et quand tu as terminé, tu reviens, tu relances la vidéo pour voir la réponse. Je te laisse mettre pause. Voilà, normalement tu as eu le temps d'écrire le mot sur une feuille. Je vais te montrer comment il fallait l'écrire. Alors, tu dois avoir quelque chose qui ressemble à ça. Il, au début de il, on entend i, madame i. Je vais la chercher. I, il, l, la limace. Je cherche la limace. Elle est ici. Il. Et on a une lettre muette. Le E. Une île. Madame E vient se mettre à la fin. On ne l'entend pas. Donc toi, si tu ne l'as pas écrit, c'est normal. Tu écris les lettres que tu entends. Toi, tu as dû écrire Madame I et la limace. Un I et un L. Il. Et moi, je te dis que pour écrire le mot il, on rajoute un E. Madame E vient se rajouter, même si on ne l'entend pas. Voilà. Je te rappelle que quand tu écris les mots, le but, c'est de trouver les bonnes lettres. Donc, si tu as besoin de les écrire en capital, c'est très bien. C'est ce que j'ai fait moi. Si tu veux les écrire en cursif, tu peux aussi. Peu importe. Tu écris dans l'écriture dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Donc, souvent en capital, mais tu fais bien comme tu veux. Le but, c'est de trouver la bonne lettre. Voilà. Eh bien, nous avons écrit le mot du jour. Nous avons révisé le son des alphas. On se retrouve demain pour une nouvelle séance. À demain.